Bonjour à tous, c'est Louise Eklund. Retrouvez-moi sur Stay Tuned TV. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec Madame Louise Eklund. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ouais, ça va très très bien. Ça fait un petit moment quand même qu'on devait se voir. Oui, c'est vrai. Hein? Je sais pas, ça fait 2 ans, non? Peut-être deux ans, oui. Ouais. Peut-être le temps passe tellement vite. Je me fais désirer, c'est ça le problème. Mais l'essentiel, c'est de se voir. Oui, exactement. Voilà. Je suis contente de te voir. Bah, moi aussi, c'est réciproque. Donc, tu es journaliste, présentatrice télé. Tu fais aussi un peu de radio? Oui, je vais travailler sur Europe 1 à la rentrée avec ce qu'on appelle un billet d'humeur tous les matins où je vais vous expliquer aux Français pourquoi vous êtes formidable. Donc en gros, c'est ça l'idée, ça en découle d'un livre que je suis en train d'écrire qui va sortir aussi au mois de janvier. J'ai pas tout à fait le titre encore, mais en gros, c'est un livre qui explique pourquoi la France est extraordinaire. Ok. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment. On peut te retrouver aussi sur W9, non? Ouais, les Home Concerts. Donc ça fait 2 ans maintenant. C'est super sympa. On reçoit des artistes divers et variés, des jeunes talents, des artistes confirmés. Là, on vient de faire Gregory Porter. Oui. Gregory Porter, c'est un jazzman. Oui, qui est déjà passé sur Stay Tuned. Ah, c'est vrai. Qu'on a interviewé, il était passé il y a peut-être 1 an et demi. Il est extraordinaire. Ouais, ouais. Il est très, très grand, costaud, ouais. Avec une voix énorme. Exactement. Ouais. On a fait Gregory Porter, Christophe Maé et Claudio Capeo. Super bien, les trois. Vraiment très différents, très riches, dans des appartements parisiens. Donc voilà, c'est assez intime et on est proche des gens, tu vois. Et on t'a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, sur M6, lors de l'Euro 2016. Oui, on a fini dimanche. Hein. Ouais. Donc, extraordinaire, super. J'étais dans les fan zones, donc j'ai fait un tour de France, en fait. C'était quoi, récolter les réactions à chaud? Oui, beaucoup avec les gens, les fans. Hein. Donc, du coup, un peu à droite, à gauche, à Lyon, à Lille, à Lens, à Marseille, à Paris, enfin, un peu partout. Ambiance extraordinaire, évidemment. L'Angleterre était sortie, donc j'ai retourné ma veste. J'ai soutenu la Belgique, parce que mon mari est belge. Et ensuite, la Belgique s'est fait enlever aussi. Donc du coup, j'ai retourné ma veste à nouveau et j'ai soutenu la France. Et du coup, on n'a pas gagné la finale, malheureusement. Malheureusement, oui. On va pas parler de ça, parce que ça fait mal. Tu crois? Ah ouais, je suis sûr. D'accord, j'arrête tout de suite. Non, si. Ouais. Ça fait mal, c'était triste. Ouais. C'était triste, cette finale, de finir comme ça. Mais en revanche, ils nous ont fait vibrer. J'étais contente de faire partie de ce dispositif qui était assez exceptionnel, ouais. Et je voudrais donner un seul conseil à ces petits CP qui vont apprendre l'anglais. Les enfants, il faut parler le plus possible. Surtout, n'ayez pas honte de votre accent. Faites comme le président de la France. L'accent, on s'en fiche. L'important, c'est de parler. Alors, le journalisme, la télé, ça a commencé comment? Un peu par hasard, en fait. J'ai fait une école de comédie musicale à Londres pendant 3 ans. Et j'ai dansé, chanté. C'est pour ça que je suis venue en France. J'ai fait Émilie Jolie, la comédie musicale. Ensuite, des spectacles divers et variés, des tournées, des choses comme ça. Et puis, j'ai fait une rencontre et les gars cherchaient une Britannique pour présenter une émission produite en France et diffusée en Angleterre. D'accord. Et j'ai dit non au début. Ensuite, il m'a coaché, il m'a dit « écoute, ça peut être bien, essaye ». J'ai aimé, ils ont aimé. Et de fil en aiguille, du coup, 12 ans plus tard, je suis toujours là, quoi, à faire la même chose, donc je suis contente. Donc, tu es plus télé ou radio? Ah, beaucoup plus télé. J'ai fait 12 ans de télé, donc du coup, oui, plus télé ou plus radio. Disons que j'ai fait beaucoup plus de télé, mais le média de la radio est assez exceptionnel. C'est un média chaud. Il y a beaucoup de proximité avec l'auditeur et puis on a peut-être plus de liberté. Je peux dire beaucoup plus de gros mots si je veux. C'est vrai? Je pensais que c'était interdit, même à la radio. Mais tu peux aller un peu plus loin. D'accord. Tu vois. Qu'est-ce qui te fascine justement sur ces deux supports?
La télé, moi j'aime beaucoup le terrain en fait. Ouais. J'aime bien aller à la rencontre des gens, des vrais gens, discuter avec eux. Je mets beaucoup d'énergie dans tout ce que je fais. La télé, c'est un média, en tout cas je pense, hein, avec humilité, mais que plus on est nous-mêmes, mieux c'est en fait. Quand on est animateur ou journaliste, plus on est proche de notre personnalité, mieux c'est. Pareil à la radio d'ailleurs, mais avec un peu plus de liberté, on peut se lâcher un peu plus, on peut aller un peu plus loin. Là aujourd'hui, la radio, ce qui était bien à l'époque, c'est qu'on n'était pas filmé. Ouais, aujourd'hui, ouais, on est, ouais, filmé. Ouais, ouais, de plus en plus. En revanche, j'ai fait une année à RTL2 où j'ai co-animé la matinale. J'étais pas filmée et je venais de sortir d'un accouchement et mon bébé avait 6 semaines, donc j'étais contente de pas être filmée à ce moment-là. Mais finalement, je rebondis parce que du coup, tu parlais de terrain et c'est vrai que quand on regarde un petit peu ta carrière, finalement, c'est le terrain, c'est le plateau, c'est assez varié. Ça dépend des opportunités en fait. C'est bien d'avoir touché un peu à tout, je pense. Et puis, à force, comme on est sollicité un peu à droite à gauche pour des missions différentes. Mais je me rends compte que sur le terrain, y a un terrain de jeu justement assez exceptionnel avec tout ce qui se passe autour de nous. J'aime beaucoup les gros événements. En fait, j'aime bien faire vivre les événements. Un exemple premier, c'est qu'avec l'Euro, on m'a demandé de suivre le bus de l'équipe de France sur une moto. Et c'est juste exceptionnel parce que le bus partait, on ne pouvait pas se garer à côté, donc j'ai couru, tout ça c'était en direct, j'ai sauté sur la moto, il y a une deuxième moto qui te filme, donc tu es dans un truc, mais C'est un peu Fort Boyard, quoi. Exactement. Ah ouais. Et ça j'aime bien, l'aventure de tout ça, c'est drôle et quand je prends du plaisir, j'espère que les gens qui regardent, ils prennent du plaisir aussi parce que c'est kiffant de faire ça, c'est sympa. Et justement, en regardant ton parcours, là, tout au long de ton parcours, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué, qui t'ont influencé ? Complètement, on a tous des mentors, je pense. Il y a beaucoup de gens, j'ai travaillé à BFM TV. À BFM TV, il y a des journalistes extraordinaires. J'ai travaillé avec Christophe Delay en matinale, qui présente toujours la matinale avec Pascal de la Tour du Pin, qui est très exigeant, mais qui te pousse vraiment à aller plus loin, à être rock, à tester des choses, à tenter des choses. Thomas Soto, que je vais retrouver, mais j'ai travaillé avec lui à BFM pendant quelques années dans son 20h aussi. Donc un personnage exceptionnel, un grand professionnel et quelqu'un qui est très intègre. Bibiane Godefoy qui m'a recrutée, qui était à la direction des programmes d'M6, qui m'a toujours poussée et soutenue. Et voilà, Daniel Bilalion, c'est un peu mon parrain, Daniel Bilalion, qui est directeur des sports à France Télévisions, qui a beaucoup cru en moi et qui m'a donné cette opportunité dans un bus rouge qui se baladait dans Londres pendant les JO de Londres. Je me souviens. Ouais, je me souviens. Qui est l'expérience professionnelle de ma vie, qui est extraordinaire, qui était extraordinaire et qui reste gravée. Parce qu'il n'y a pas un jour qui passe où quelqu'un me dit, le boulanger ou un pote ou quelqu'un que je vois dans la rue, « Oh, je me souviens des JO !» Des JO, des JO, des JO, des JO. Qui était dingue. Bonjour et bienvenue dans 100% Forme, qui pourrait s'appeler aujourd'hui 100% Soleil. Halte aux tabous et idées reçues, aujourd'hui on vous dit tout, tout, tout sur les bienfaits de cet astre. Lorsqu'on fait de la radio, on est forcément focalisé sur les audiences. Moi j'essaie de pas trop penser à l'audience parce que quelque part c'est une pression. Et de toute façon je crois dur comme fer que si on commence à réfléchir comme ça, nous en tout cas, on fait pas du bon taf. Donc je préfère que ça soit la direction qui y réfléchit et qui éventuellement aiguille. Je pense sincèrement qu'il faut regarder les chiffres, mais surtout ne pas perdre ton instinct et être en contact avec des gens au quotidien, prendre le métro, prendre le taxi, discuter avec des gens pour savoir la tendance du moment, pour savoir ce que veulent les gens. Donc ça veut dire être constamment sur le terrain, quoi. Je pense qu'en étant sur le terrain, on prend la température beaucoup plus facilement. Dès qu'on se distance des gens qui regardent la télé, on risque d'avoir... Après, il y a des choses qu'on étudie, hein, à tel truc, à telle heure, etc. Donc c'est du tricot. Ça, c'est la production qui réfléchit au tricot.
Nous, on est embauchés parce qu'on le fait avec nos tripes et la direction prend en compte les audiences, etc. aussi. Donc, on ne peut pas s'empêcher de regarder quand on fait 20 millions. Avec l'euro, bah, on est super content quand même. Voilà. Et tu as des objectifs, des projets, pas forcément d'audience, mais peut-être un projet un peu plus fou dans la télé, quelque chose qui... Si je pouvais faire mon émission, ce que j'ai fait dans le bus, si je pouvais le refaire. Ouais. Par exemple, je réfléchis un peu à Midi en France. Je ne sais pas si tu connais l'émission sur France 3. Mais si je pouvais faire Midi en Europe, à la rencontre des expats qui vivent à Séville, en Italie, en Toscane, etc., qui nous font vivre leur quotidien dans la ville de leur choix. Florence, je pense à partout, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles. C'est ça, en tout cas, ça me colle à la peau parce que c'est et sur le terrain, je suis expat comme eux, donc j'ai une vision. Et le magazine et le talk, j'aime beaucoup. Je ne cherche pas à être en concurrence à 18h50, mais en tout cas, faire plaisir aux gens dans une case... peut-être moins exposé, ça m'intéresse beaucoup. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de comédie musicale. On écoute quoi chez toi? Un peu de tout, en fait. On écoute Émilie Joly, et parce que j'ai un fils de 3 ans. Il y a des enfants, c'est normal. On écoute Singing in the Rain, ou Chantant sous la pluie, ou des comédies musicales que j'adore, hein. Mais après on écoute du jazz, on écoute du Stevie Wonder, on écoute des chansons des années 80 pour la fête, on écoute un peu tout en fait, toutes les nouveaux artistes, parce que je travaille beaucoup dans la musique. Tu travailles aussi dans la musique, hein. Est-ce que tu écoutes du hip-hop? Mon mari c'est un ex-danseur de hip-hop. Ah d'accord. Donc okay. Oui, j'ai beaucoup écouté du hip-hop, du... Enfin, un peu tout, du rap. Eminem, c'est toute ma culture. J'ai beaucoup écouté Eminem quand j'étais plus jeune. Slim Shady, tu vois. Mais bon, je dirais pas que j'ai une énorme culture hip-hop. Mon mari, oui, hein, bien sûr. Je suis dans le quartier du West End. C'est là où il y a tous les spectacles. Alors, ce que vous savez pas, c'est qu'avant d'être journaliste, j'étais artiste de comédie musicale. Donc, je connais ce quartier comme ma poche. À quand un retour aux sources? Quand je parle de retour aux sources, le spectacle musical, la danse, la musique, c'est dans un coin de la tête ou pas? Il faudrait que ça soit le bon projet, je pense. Mais en revanche, j'y pense pas spécialement. J'ai le sentiment d'être à la bonne place aujourd'hui. Et je me suis pas du tout senti mal en faisant de la comédie musicale. Je me suis éclatée. Mais je suis très contente de ce que je fais aujourd'hui et je me sens bien. Alors, moi, quand on me parle de Louise Eklund, ce que je vois, c'est toujours le sourire, la pêche. Mais des fois, je me demande si Louise, elle a des coups de blues. Bah, comme tout le monde, je pense. Comme tout le monde, il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Je pense être quelqu'un de très optimiste, en revanche. Donc, et assez... fataliste aussi en même temps. J'ai bien les pieds sur terre. Je me dis, ah bah, puisque c'est comme ça, je peux pas faire grand chose, c'est comme ça, j'accepte. Mais je pense voir toujours le bon côté des choses. Je n'ai pas une personnalité de quelqu'un qui déprime facilement, non. Mais et puis je pense que j'ai énormément de chance. J'ai un parcours qui est assez atypique. C'est un bon parcours. Et, qui n'est pas terminé en plus. Non, puis je viens d'un quartier un peu compliqué. C'était pas toujours facile, donc je me dis que je vis quelque chose d'exceptionnel. Donc on n'a pas eu de coup de blues, et ton dernier coup de joie, ça serait quoi alors du coup? La naissance de mon fils. Ouais, c'est l'amour de ma vie, c'est le... ainsi que mon mari d'ailleurs, mais un enfant c'est autre chose, tu peux pas l'exprimer, tu peux pas le... C'est marrant parce que, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en fait, juste en face on avait fait l'interview d'Élise Chassin et je crois que j'avais posé la même question, elle m'avait répondu aussi pareil, c'est la naissance de son fils, mais c'est vrai que c'est... Bah, tu peux pas le décrire, ouais. C'est quand je rentre le soir et que j'ai eu une journée un peu compliquée où tu as des projets ou de la responsabilité ou des choses,
où tu es un peu genre, surtout en ce moment, ça a été une période assez, wow, tu cours dans tous les sens et tout. C'est beaucoup de joie, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. Hein. Donc, du coup, quand je rentre et que je vois sa bouille et qu'il me parle en franglais, je trouve ça génial, tu vois. C'est exceptionnel. Et puis, ils ont une joie naturelle quand ils commencent à danser, mais sa musique, il est à fond. Ça te remplit de joie constamment, quoi. Alors, comment tu l'as vécu, le Brexit? Mal. Le Brexit. Disons que je me sens très européenne, en fait. Donc, je me sens presque un peu française. Je suis mariée avec un Belge. Donc, du coup, tu vois, c'est très pro-Europe, quoi. Ça fait quand même 15 ans que je ne suis plus en Angleterre. Donc, je ne sais pas comment ils vivent au quotidien. Si, parce que mes parents sont toujours là-bas. Mais moi, ça m'a triste, en fait, que j'ai le sentiment que ça va aller quand même pour les Anglais, dans le sens où ils sont assez pragmatiques, quelque part. Ils vont se relever, c'est une île, c'est assez particulier. Après, oui, je ne suis pas quelqu'un de très politique. Ouais, si tu veux, donc ouais. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants et je n'ai pas étudié ça, mais en tout cas, je pense que c'est une erreur. J'ai du mal, mais je suis motivée. Comment ne pas l'être en face d'un homme pareil? Il m'a parlé de sa vie d'une manière décomplexée. Blessé par la guerre dans son pays, il doit être amputé d'une jambe à l'âge de 3 ans. Alors moi, je vais te donner une série de mots et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ça te va? J'ai pas compris, mais vas-y. Tu vas comprendre tout de suite. Je pense que tu vas comprendre tout de suite. Si je te dis télé, tu penses à quoi? Ça te fait... Il y a des mots qui arrivent. Bah, proximité. Proximité. Information, rire. Mon enfance, j'ai regardé beaucoup la télé. J'adore la télé. J'aime la télé et je trouve qu'en France, c'est un peu le métier des pauvres dans le milieu audiovisuel. Si je te dis France, je pense au savoir-vivre. Je pense au vin et à la bouffe. Je pense au pif. Non, je pense à la des terrasses de café. L'amour, le débat aussi. Je pense que le français est passionné. Si je te dis Liverpool? Oh, Reds, quoi. Je pense à Anfield, je pense à mon enfant, je pense à mon grand-père qui m'emmenait au match, je pense à la famille. Je pense qu'à une ville que j'aime et des femmes drôles. Beaucoup d'humour à Liverpool. Si je te dis chance? J'en ai beaucoup déjà. On crée notre propre chance aussi, je pense. On l'accueille. On le cultive. Il faut le cultiver, sa propre chance. Il faut se mettre à la bonne place au bon moment. Il faut être réaliste pour avoir de la chance. Rêve? Il y en a plein. J'ai l'impression que j'ai déjà réalisé pas mal de rêves. Il y en a toujours à venir. Je rêve tous les jours. Je pense qu'on devrait rêver tous les jours. Enfant? Mon Sacha. J'ai envie de le bouffer. Je rentre et j'ai envie de le prendre et... Il est extraordinaire. Enfin, j'adore les enfants. Et on réapprend beaucoup sur nous-mêmes à travers l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est aussi parfois dur, c'est un challenge. La rentrée? Excitant. Très excitant. Radio, télé. J'ai écrit un livre. L'avenir, quoi. C'est beau, c'est bright. C'est bright. Le mot de la fin, ça serait quoi? Bright, peut-être. Bright. Hein? Okay.
Soleil. Mais en tout cas, merci d'être venu sur Stay Tuned. Welcome. Hein, on se verra sûrement à la rentrée hein, dans tes multiples projets. Ça marche. Et je te souhaite bon vent pour le reste. Toi aussi. Bah, à bientôt. Merci. Salut. Salut.